Wesh Bonjour, YouTube, wesh YouTube. Wesh, là la pêche, que la pêche. Hein? Mais non, t'inquiète. Ça peut... Il y a pire. Genre, tu vois, ne pas avoir de munitions, ça c'est pire. Hop. Allez, bonjour toi. On va éviter de... C'est un peu tôt pour sauvegarder. Si tu veux, oui. Modifier la puissance du couteau, non. Je peux pas la réparer, ce n'est pas nécessaire. Il n'y a rien à faire, du coup, parce qu'on a fait pas mal de choses à part avant. On peut partir d'un air ultra vénère, parce que sinon ce n'est pas drôle. Achetez! Et t'as vu, on a un couteau. Ah, il nous donne beaucoup de choses. Il nous gâte, ce jeu. Il n'y a pas de boss. J'aurais préféré qu'il y ait un boss. Bah attends, attends. Non, tu vois ces trucs, là? Oui. Là, en l'air, là. Ça veut dire qu'il y aura un type aveugle bientôt. C'est les lois du game design qui me font se parler, c'est comme ça. Ah oui, j'oubliais que je pouvais faire ça. Vous voulez faire quoi? Ça. Ah, c'est tellement bien. Allez hop. Qu'y a-t-il ici? Fais-moi voir ça. Évidemment. Merci, Sherlock. Quelque chose me dit que si j'enjambe, je vais avoir de gros soucis. Et il s'approche ou quoi là? Évidemment. La voix de la peste, blablabla, remets la flamme écarlate à sa place, ainsi tu seras éclairé, blablabla. Ok. Il y a quelque chose qui s'approche, je ne suis vraiment pas rassuré. Et ils sont quelque part dans ce putain de labyrinthe. Hein. Avec évidemment... D'accord. Ok. Non, c'est pas ça. Oh non. Oh merde. Qu'est-ce que... Qu'est-ce que quoi? Quoi ce bordel? Ah. Je crois qu'il y a des espèces de grosses têtes là qui font une espèce de gaz. Oh! Ça va être très compliqué. Oh là là, mais regarde, sérieux. Ça peut fabriquer un truc. Ça... Alors, je vais faire mieux. Je vais faire mieux que ça. Ah là, tu peux arranger, ouais, clairement. Hop. Et je vais faire ça. Ici. Oui. Ah! 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 Toi, je vais venir te chercher à 1v1. Fox Omni sur destination finale. Oui, bien sûr, oui, tout à fait. Allez, alors ça c'est réglé. Miroir avec perles et rubis, ok. Bonjour toi. Oh merde. Oh, c'est pas grave, c'est pas grave. Allez, hop. Mais la vidéo, c'est bon, fils. Ah là, ouf. Il y a l'autre salopard en haut là. Salopard, évidemment. Salopard. On va aller les chercher. Et moi, comme je suis pas une bonhomme là, hop,
Allez, ça vient. Tu n'es pas une bonne... Non, je ne suis pas une bonne âme. Bonjour. Attends, fais-toi. Quoi? Il va... Ah, il a pété? Non, hé, hey, toi, tu... Tu vas arrêter, s'il te plaît? Désolé, j'ai glissé. Non! Il a voulu faire son trait d'esprit, et au final, il s'est pris un carreau dans les... Karma! Oh, R2! J'ai plus beaucoup de vie. Ça signifie... Non, pas ça. Triangle, ok. Merci. Je t'en prie. Oh oh. Ok, t'as vraiment fait une esquive en mode no respect. Ah, je me disais bien. Illusion d'optique. Il est où là? Il est en haut là, je le vois. Oh mon dieu, t'as pas ramassé les pétasses. Oh merde. Ice Shield 21, allez hop. Putain, c'est vrai que je me rappelais plus de cette musique. Il est où là? Coucou toi. Ne bouge pas. Dis ne pas te bouger. C'est un peu chou la manière dont ils mettent leur arme devant leur tête pour se protéger. Oh bah non, faut dire pas de tête. Et ben si. Et voilà. Ça, c'est fait. C'est quoi ça? Je sais pas, mais je vais le toucher. Ok, ça aurait bien aidé pour la suite, mais. Enfin, ça aurait bien aidé, mais tant pis. Et donc là, on part par là. Là, c'est fait. Il n'y a plus personne. Il faut que je remette. Bah, attends. Pendant que tu tournes en rond, moi, je vais passer devant toi pour aller me resservir un verre. Oh, on tourne en rond. Je tourne. Je tourne dans la ville, On va courir. Vous savez quoi? On va courir. Ah, il y a des pétasses ici. Ah, mais non, c'est un diamant jaune. C'est un rectangle? Non, il me semble qu'un diamant jaune, c'est un truc rond, ovale. Je ne sais. Pardon. Ouais. Ah non, c'est un rond, dommage. Ouais, voilà, c'est... Alors, peut-être en allant en arrière, du coup. Bon, en tout cas, c'est pas un rectangle, c'est ça que je voulais savoir. Ah bah, c'était ici. Ok. Comme quoi... Youpla. Bonjour. Bon, ça va, c'était mauvais dans mon... J'étais mauvaise dans mes estimations. Oh, tu sais, je trouve ça. Pour une fois que c'est toi qui es mauvaise et pas moi. Allez. Je fonce par là. Et en fonçant par là, est-ce que je retourne ici? Non, je suis dans une nouvelle zone. Dis-je donc en tabassant des tonneaux. Je me demande qui est là. C'est le Père Noël. Ah bah, t'étais pas si loin en fait. Bah, quelqu'un de trop sexy en rouge, c'est le Père Noël. Well, after 6 years, that is one hell of a greeting. Ada. You don't seem surprised. Interesting. Ils ont bien évolué depuis deux. Better for close encounters. Not a bad move. Non ironiquement, il a été lui mettre des couteaux. Oh, Leon. You know I don't work in town. You see, Leon. I'm working. Ah, il a quand même récupéré son couteau. Évidemment. For the concept of Ouroboros. Maybe I'll live to meet me again. And then I might get you that greeting you were looking for. Mais quand on y pense, c'est à cause d'Ada qu'il y a eu Resident Evil 5. Ada et Jessica. Oui. How about we continue this discussion another time? Ouais, bien sûr, ouais.
Bon, je récupère ça. Et elle, elle a disparu comme Batman. Exactement. Last person I thought I'd run to here. Bon, ça c'est voilà. Ok, d'accord. Toujours sympa à voir, hein. Si tu veux, oui. Il y a un truc frais là, non? Non. Ça va? Et arrêtez de nous gaver là! Enfin, non, je suis pas contre. Allez, ça pète. Ok. Donc, il y en a bien 4. Non. Ah, d'accord. Oui, mais le souci, c'est que c'est pas. Non, voilà. Je pense qu'il faut que tu les mettes. Voilà, c'est ça. Faut que tu les échanges, peut-être. Peut-être que tu en enlèves une et. Ah, si tu peux faire comme ça, ok. D'accord. Donc ça, voilà. Là, si je confirme comme ça. Il me faut un bouclier. Est-ce là un nom? Est-ce là un nom? Est-ce là un nom? Ah mais attends, piloter. Oh putain. Ah oui, d'accord, j'ai compris. Ok. Donc ça, ok. Ça, c'est une... comment dire? Ok. Et donc là... On... Oh putain, d'accord, je viens de comprendre le délire. Ah, en plus, ça peut être... Il faut déjà un carré. Il faut un carré bouclier. Ça, c'est sûr. Il va haut, non? Ouais, le bouclier carré. Donc celui-là, c'est bon. Ensuite, il faut pas un truc comme ça, il faut un. Ça. Carré comme ça. Et les deux derniers, c'est. Soit ça et. Non, c'est pas bon. Je pense que la épée va peut-être en... à droite. Vu que le truc a l'air un peu plus carré. Oui, non, en fait, regarde les signes. Là, tu vois bien qu'il y a un truc qui est plus, c'est plus carré. Il faut un carré, n'importe lequel. Et en fait, il y a les insignes et ceux qui les entourent. Certes. Oui, je vois que oui. Alors, il faut que je regarde par contre. Ouais, parce que tu vois, celui-là, il est pas bon. Oui, le home apparemment. Ah, il est sur l'autre aussi. Okay. Ah. Donc, peut-être il faut comme de ça. Rechanger celui-là après, ouais. Essaye de changer maintenant les deux noirs. Ouais. Et bon. Voilà. Ah bah pour une fois, moi je l'avais là. Ouais bah c'est bien facile de dire ça. Non mais vraiment. J'ai compris comment faire. Ah oui, non mais moi aussi j'ai compris. L'important c'était plus un concours de logique et de savoir le. Illuminados. Et de savoir comment les prédisposer. Les éliminer, on va leur envoyer une sombra à Bagan de la Soucette, ils vont moins se la péter. Hein. Let's go. Ouais, nous sommes illuminés. Et moi, j'éteins la lumière. Il y a rien d'autre ici. Ok. Avant, ils nous ont gavés pour nous donner une... Oh, crazy. Génial. Allez, on va se dépêcher. Oh putain, il y a une zone ici. J'imagine qu'il y a une petite clé. Ça, c'est plutôt sympathique. Et bien sûr. Hop. Ça va, on vous dérange pas? Hop.
Oh putain, j'ai appuyé sur R1 au lieu de L1. Génial, merci. On se souviendra, lui. Ah bah oui, évidemment, et puis du coup. Eh ben, je vais mourir, je pense. Je crois qu'à ce moment-là, t'avais failli crever. Oui, oui. Putain, mais cours vite! Et pourquoi toi, tu cours pas? Saloperie. Ah bah, de l'herbe. Tu peux faire un mélange, ouais, et puis garder l'herbe rouge en... Voilà. Je prends ça. Tu m'excuseras. Ah mais tu veux tout excuser. Cette chose... La mitraillette est quand même une très bonne... Mais tu veux tout excuser. Un carreau. Le carreau que t'as tiré à côté. Évidemment. On va courir, nous courons. Bonjour toi. Oh oh. Non, parce que du coup, je me demandais, putain, c'est qui parle en fait, ou c'était juste un champ, ok. Alors, les bleus velours, ça se vend, ok. L'horloge. Oh putain, ok. Ah, on peut sortir l'horloge. Ouais. Pas le sablier, par contre. Et le sablier, on peut pas, ouais. Donc, bah, ajoute le sablier, voilà. Avec Ruby, donc celui-là... Donc celui-là, on peut pas le sortir non plus. On peut pas le servir. La montre à gousset, la montre non à gousset, on peut la vendre aussi. La clé des petits hôtels, bon, ça, je suis désolé, mais voilà. Et là, pour l'instant, on va déjà vendre tout ça. Waouh. Ensuite... On peut sortir, du coup, le... Alors là-dedans, il en faut un troisième, mais le souci, c'est qu'on en a... Celui-là, on peut pas, mais c'est l'horloge qu'on peut sortir. Il y a deux trucs. Ah, et là on peut pas aller plus loin. Le rubis on peut pas. Ah bon? Oui, parce que c'est un rond et un carré. Pour bien casser les couilles. Ah oui, d'accord. Est-ce que tu penses pas qu'on pourrait. Non. On pourrait quoi? Le vendre comme ça sans rien? Non. Prendre une des pierres de l'autre qui en nécessite 3 et vendre l'horloge tout de suite. Peut-être. Attends, j'ai qui protège complètement des tirs et des explosifs et réduit les dégâts sur le corps à corps. Oh, c'est marrant, c'est cool. Et on peut le réparer en plus. Allez-vous. Je serais même pour prendre un spray, tu vois. Un spray, ouais, totalement. Et ça aussi, c'est génial. Le magnum, on l'a fait encore, mais... C'est toujours ça de... Hop, ensuite. On peut faire ça, du coup, pour le... Genre, on enlève une pierre de ça. Comment on peut l'enlever? Retirer toutes les pierres précieuses. Voilà. Et puis, on en met une sur l'horloge. Lequel est le plus... Je crois que c'est celle-là. Hop. Attends, le check quand même, le violet rapporte 6000 et le vert 5000. Ah, le violet effectivement il est plus cher. Ok, d'accord. Et donc maintenant on vend l'horloge. Et le. Attends, on va voir quand même pour le rouge, mais normalement ça coûte. Ouais, ouais. Le jaune clairement plus cher. Par contre, clairement plus cher. Thank you. Voilà. Tu regardes si tu peux quand même acheter quelque chose. Ah bah maintenant tu peux acheter le Magnum, mais est-ce qu'on a assez de place? Broken Butterfly, ouais c'est ça, on a juste pas assez de place. Essaye de voir si on peut crafter des trucs. Alors... Munition de fusil ou de mitraillette, voyons, dépendant de ce qui nous sert le plus. Mitraillette, je pense que ce serait mieux, ouais. Voilà. Et ça fait pas mal de place en prime. C'est bon. Alors, maintenant si on fait un peu de place... Il n'y a pas grand chose de plus, on a quand même peu de place, même si on fait de la place. Attends, c'est du combien sur combien le Magnum? C'est du 2 sur combien? Du 2 sur 4 ou du 2 sur 5? Alors, je vais voir ça. Parce que si c'est le cas, je pourrais faire m'arranger. Ouais, c'est vrai qu'en fait, il peut y avoir... En fait, non, il y a de la place. Et tu déplaces après une grenade? Ou deux grenades, ouais. Voir les mines. En vrai, là, je pense que le Magnum est vert. Ouais, en fait. Tu vois, c'est du même du 2 sur 3. Voilà. Et donc maintenant, si tu le places quelque part, je sais pas où. Tu peux mettre à droite ou à gauche, sachant que de toute façon, on ne l'utilisera pas beaucoup. Je tape. Ah, mais c'est cool ça, le fait qu'on ait un Magnum.
longtemps qu'on l'a pas mangé, ça me manque. Et ce qui paraît, c'est les frappeurs. Donne-moi. She said meeting you once was enough. D'accord. Je peux pas descendre. Y a pas un endroit que. Y a sûrement un endroit que j'ai loupé. Ça peut pas être là, ça peut pas être là. Ici à côté, si je tombe, ça me met fatal. Alors peut-être que si je regarde en... Ils ont l'air assez... Hein. Génial. Et monte-toi. Voilà, ils sont chiants. Ok, donc c'est ça. Et là maintenant ils vont tirer, c'est ça? Oh, you were expecting me. Moi aussi, vous attendez! Ouais, tu peux utiliser quelques grenades là, c'est ouais, c'est marrant, on aurait pas pensé qu'il y avait un sac à dos le zombie. Ouais. Oh putain! Toi, tu dégages. Ah, il donne des herbes en plus. Attends, t'as un truc à ramasser derrière, non? Je crois que t'as oublié un truc. Non, tu l'as rien oublié, my bad. C'est pas grave, ça arrive à tout le monde. Comme l'épisode précédent. Qu'est-ce que... Bonjour. Et donc là, évidemment, ce fameux... Évidemment, il doit y avoir deux leviers, je pense. Évidemment. Ouais. Voyons voir si je fais ça. Toi. Les gars. Donne-moi une munition de pistolet, je te dirai. Au contraire. J'entends des choses qui... Oh là là là, c'est tellement dégueulasse. D'accord, ok. Je préférais quand tu donnais des trucs un peu mieux. Ça donnait quoi cette fois? 200 pétasses. Recharge! Non. Il te faut 3 balles, tu dois recharger! Non. On va faire une. D'accord. Ah ah, t'as loupé. Aïe. Hop, oh putain. Ok, d'accord. Il mène. T'as pas envie, toi? Oh là là. Sérieux, il faut savoir quand. Oh, mais. Non. Allez, viens, toi, je t'amène là-bas. Et qu'est-ce que j'ai là-dedans? Oh, ça, c'est cool. Et là, hop. Oh merde.
Ah, là ça pète, et là il a son petit truc là. Non. Non, des fois il nous fait des petits... Des fois il fait des petits... Ah, 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 ah. En fait, ouais. C'est ça. Exactement. J'ai les yeux totalement pétés. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Là, tu vois, j'aime pas ça. J'aime pas ces zones vides. Oh, putain. Je sens venir le truc. Je sens tellement venir. Ok. Tu changes, s'il te plaît. Ok. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Rien de précis. Il y a ça. Tu reviens pas d'ici? Ça m'a tout l'air d'être ça, ouais. Tu vas gagner de toi-même. Hein. D'accord. Ils sont en train de se... Ça va, vous poussez pas. Hein. Il est passé où l'autre? Ah, il est tombé. D'accord. On va voir, hein. Il n'y a qu'une seule façon de savoir, mais ils veulent que je recule. Je comprends pas leur délire en fait. J'ai un peu de mal à visualiser. D'accord. D'accord. Ok. Donc il faut que je... D'accord, faut que je descende et que je monte de l'autre côté, si j'ai bien compris. Je crois qu'il va y avoir un chemin en bas pour... Oh là là là. Je suis... Bonjour toi. Le petit carreau, t'as vu? C'est rigolo. Ça fait le maintenant, mec, hein. Le mec, il a trois carreaux dans la colonne. Allez, putain. Oh, putain. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Il faut que je refasse le chemin. Oh. Je suis allé par là, non? Je t'avoue que là, même moi, je suis un peu en train de me perdre. Ah, oui, on est déjà passé par là, du coup. Ok. Ok, donc il faut que je l'aille par là. Ok, d'accord. Il faut que je trouve un moyen de remonter ou pour réactionner le levier pour reprendre la porte que tu viens de voir. Donc là, ok. Là, du coup, elle est ouverte. Là, je vais pouvoir monter. Et donc après, il va falloir que je... Là, il faut que tu actives le levier, du coup. Voilà, là, il faut que je l'active. Et là, il faut que je retourne... Que je ne retourne pas en arrière, du coup, mais que je retourne direct. Il me semble. Oui, c'est et ça. Là, maintenant, c'est ouvert, oui. C'est vrai que c'est un peu bordélique. Hein. Bah non, justement, c'est. Du coup, on aurait rien dû toucher. Coucou. Mais là, t'attends tranquillement. Putain, merde. On n'aurait pas dû toucher ça, il me semble. Ah putain. Ouais, on n'aurait pas dû toucher ça. Et... Ah là là, tu m'as écouté, t'aurais pas dû. Meuf. Donc là, on le change. Bah en vrai, si tu pensais que c'était une bonne idée, tu m'aurais pas écouté. C'est ça. Choses. C'est ça. Nous avons tous les deux été fourvoyés. Oh là là, c'est dramatique. Donc, là, du coup, il me semble qu'on ne l'active pas, au contraire. Là, tu touches pas, du coup. Voilà. On essaye de voir ça. Et on redescend. Et du coup, derrière, il y a la sortie. Oui. Et le mec, il est avec sa torche. Évidemment, je m'en suis rappelé juste à la dernière minute. C'est seulement. À la dernière seconde. Oui, dernière. Ouais. Et bien sûr, il m'en restait qu'une. T'as traité de Passando, hein. Ouais, bah écoute, voilà, hein, je vais traiter de Mordo. Hein. Comme le mec dans Doctor Strange. Ah, d'accord. Ah oui, tu te souviens pas de son pote psychorigide là? Ah, c'est peut-être, oui, c'est peut-être, t'as sûrement raison. Oh là là! Oh, celui-là, il va me rapporter du fric! Ouais. Il faut juste qu'on récupère pas mal de rubis ou tout ça. Je
Je crois qu'il faut deux ovales et deux rectangles, c'est ça? Oui, un truc du genre. Et là, on va pouvoir enfin sortir les pièces. Hop. Ouh là là, j'ai trouvé 1800 pétasses. Ouais. Ouvrir la caisse? Non, enfin, non, c'était pour casser la caisse. Parce que t'es allé ouvrir la porte et t'avais pas. Enfin, bref. Et si on montait? Et si on descendait? Et si on descendait? On arrête le progrès. On n'arrête pas le progrès. On n'arrête pas le progrès. On arrête le progrès. C'est un peu ça, ouais. Je sais pas, à chaque fois, le premier tir, il nous passe à côté de l'épaule. Voilà. À chaque fois j'esquive avec rond parce que je tu vois avec parce qu'il y a Elden Ring je crois. Oui, c'est possible. Je l'ai épargné. Alors là, ça va faire un truc du genre comme ça. Ça va faire un truc du genre. Attends, là. Oui, voilà, j'allais dire bouge la grenade. Ouais, t'as dit la greu. Ouais, j'ai dit la greu. Faut aller plus haut alors. Munition de flingue. Oh non, putain. Putain, c'est pas moi qui cours. Je peux descendre. Non. Vous commencez à me faire chier à un point que ça en devient colossal. On peut plus descendre. Ou j'aurais pu passer par là. Attends, je vais voir si je peux pas lui tirer dessus. Ok. Viens ici. Ouh la vache. Mais là on court. Ouh là là. Et je le bébé, vas-y, voilà. Allez hop. Oh putain, je l'ai changé. Coucou. Moi je dis oui. Hein. Bah écoute, si tu veux, hein, et voilà. Et je vais en prendre une deuxième. Et ça, je peux l'utiliser. Voilà. Ok. Oh merde. J'ai eu un peu de chance. Juste un peu. Mais non, c'était du skill en fait. Skill issue. Pas de la chance, c'est du skill insolent. Exactement. Tu peux aller à gauche. Eh ouais. Encore une fois, le carreau qui passe à côté de toi. Attends, il n'y avait pas quelqu'un derrière. Oh. Oh. Comme quand Genji meurt. Oh. Il est tombé seul. Bonjour. You have a poupou pipi. Let's go. Oh rien, juste. Je crois que c'est ton cerveau qui rentre. Exactement.
Ouais, si tu veux. Oh oh. Quelqu'un vient? Vous venez? Soirée PlayStation là. Y'en a pas un deuxième là qui veut venir? Tu te fous de ma gueule? J'étais parti pour me taper au sol. Et c'est bon. Allez, ça c'est bon. Et t'as trouvé des munitions de fusil à pompe. Oh là là, c'est mieux que le sexe. Alors j'irai pas jusque là. Enfin, moi j'en sais rien. Je défais comment pour descendre. J'imagine qu'il n'y a aucun chemin pour descendre ici. Ah si, il y a un truc pour monter par contre. Allez. Et là on descend, ok. Cannon. Ah, je tape. Ah. Ça va. Ça va pas être un problème de. Jouy. Oh. Un scarabée orné. Ouais, je veux voir si je peux pas crafter un truc rapido. Where as mo? Fusil ou mitrailleuse, comme tu préfères. J'ai combien? J'en ai combien de chaque là? Est-ce comment je... Ah, j'en ai 16. Bah, c'est le fait alors. Voilà! Un peu parfait. Je recharge ici. Oui! Je recharge en haut. Et je recharge même ici. Ah, ouais. Je suis content. Voilà, Suzy arrêtera de te harceler. Pendant 2 minutes. Voilà, c'est ça, j'allais dire pendant pas longtemps, mais quand même. Ça, ça me permet de rentrer, j'imagine. Ah non, ça le. Ouais, d'accord, ça le monte. Ok. Donc je présume qu'il va falloir que je monte un peu plus haut. Hop. J'imagine que là maintenant. Allez. Tombe, s'il te plaît. Adios, you son of a bitch. Espèce d'enfant. Bon, ok, tu sais quoi? Bonjour vous. De toute façon, t'étais pas censé être caché à la porte. MLG. Bien. Et voilà. Munition économisée sur moi. Toujours. Ah bah, c'est important. Oh merde. Il y avait rien en haut. Ah, il y avait ça. Alors, bon, on va pas le faire au filière. En effet, on aurait été un peu con. Oh là là, la peau. Avec la oh yeah, oh. On a retrouvé Marilyn Monroe, putain. Il y a des effets de lumière qui me perturbent. Allô, je suis tout nu. Ah. Bah je cours hein. Sorry, I've had my fill of you guys. Je crois que pour ce jeu aussi il en a eu sa douce jusqu'à avant la journée. Non, ça va pas, je peux encore en prendre.
Un, Ouais, pas quelques-uns, non, un. Bon. Ashley, where are you? Je suis là. Allez, hop. Miss me? Ah bah elle était vraiment là en fait. Mais enfin, je l'ai, qu'est-ce qu'il fait ça? Non. Mais il s'est jamais passé quelque chose avec Ashley comme ça, en tout cas. Parce qu'elle était plus jeune. Capcom aurait pas osé faire ce genre de truc. 19 ans. Voilà, elle est un peu plus vieille, ouais. Elle a la même âge, hein. Parce que non, la tronche de HP dans Resident Evil 4, elle était vraiment très très jeune. Là, t'as l'impression que c'est une trentenaire. Bah, perso, je trouve que là, il fait plus la vingtaine, alors que dans l'autre, c'était vraiment une. C'est vraiment 15 ans, quoi. C'est ça. Just give me heads up before you stab me this time, okay? Moi, la prochaine fois que tu veux m'enfoncer un puits dans le cœur, je sais que je ressemble à un vampire, mais quand même. Ah, t'inquiète pas. Le chapitre est terminé. Il était plutôt rapide. C'est beaucoup, ouais. Non, pas ici, du coup. Eh ouais, t'as vu, hein, je pense à toi. Ah oui. Tu penses à mon gros cul de psychorigide. Louis, where are you? Dans ton cul, lol. I screwed up. Come to my rescue, Prince Charming. I'll show you charming, pal. Come on. In the ballroom past the courtyard. Don't be late to the dance. Oh, viens me sauver, mon prince. Je t'en foutrais du prince. C'est ce que je te dis, le prince charmant. Paf et paf. Mais je suis toqué. Et là, t'as Léon qui dit ce qu'il en fait, il continue le jeu sans aller voir Louis. C'est exactement ce qu'on va faire. Mais déjà... On est dans le multivers de Resident Evil 4 parce que normalement, Louis, tu lui parles pas aussi longtemps. Enfin, tu lui parles pas autant. Et là, tu lui parles pas beaucoup, de base. Alors, ça veut dire déjà beaucoup. Oh, oh j'aime les tonneaux et j'aime quand c'est jaune. Grenade lourde. Ah oui, ça par contre, c'est nouveau. Ah la vache. Ça, je l'ai fabriqué. Ah, yes. Du coup, là, tu peux prendre la grenade, je pense, oui. Alors, je peux la prendre. Non, oui, si. Je peux la prendre si je gère bien. Ah, je sais à peu près quoi. Il y a deux espaces à côté de. Voilà. Ouais, ouais, c'est deux, ouais, c'est vrai, c'est deux, c'est pas trois. J'ai fait pour trois. Par contre, jeter la grenade, je sais pas comment je la jetterai. Bah, t'appuies sur triangle et puis tu vas équiper, tu vas la jeter en mode schlag. Donne-moi ça. Le petit labyrinthe pour toute la famille. C'est très gros, dommage. J'aurais bien aimé me faire un peu d'argent. Oui, parce que dans ce jeu, les corbeaux ont leur compte en banque sur eux, t'as vu? Ah! Oh non. Il a fui pour ensuite revenir vers moi, hein. Yann, attends. Putain, mais qu'est-ce qu'il vous donne à la SPA? Il y avait un truc par terre, non? Ouais. Je crois. Ah non, c'est... Attends. C'est le reflet... Ça doit être le reflet de la lumière dans l'eau. Enfin, le reflet du sol humide. Tu sais, il y a quelque chose de particulièrement... Quelque chose de particulièrement... Il est lousse, quoi. Quoi? J'ai oublié que c'était ça. Dégage. Oh merde. Il est où l'enfoiré là? Il y en a un autre qui fait le tour et qui va t'attaquer. Putain. Tu veux bien te faire ça, tu vois? Merci. Poudre noire, essaie de voir si tu peux pas crafter un peu.
Toujours pas de munitions de fusil à pompe, quel dommage. Ah, il y a plus de place pour des munitions de... Non, c'est surtout que... C'est surtout qu'il nous faut de la petite ferraille pour le fusil à pompe. Et là, ça fait super longtemps qu'on n'en a pas trouvé. Ouais. Attends, qu'est-ce que c'est que ça? Oui, allô? Votre hôte sera absent pendant quelques temps. Laissez-moi vous divertir en massacrant des animaux de manière tout à fait légitime et voulue. Alors, qu'est-ce que... Est-ce que je peux l'ouvrir? Oui, je peux l'ouvrir. Donc, déjà, ça va être un peu plus pratique pour se diriger. Oh. Ça faisait longtemps un idiot qui m'appelle en pensant que je suis propriétaire. Putain, c'est dingue. Hein. T'aurais jamais eu autant qu'en si peu de temps. Oh non, Dieu, un chien. Non, c'est un chien. Par contre, c'est un chien. Non, c'est un chien. Stop le karma, stop. C'est bon. Putain, il se cache dans les... Oh putain de merde. Vous savez quoi? Allez vous faire foutre. Mais c'est quoi ce délire? Il y en a qu'un sur le... Non, évidemment. Oh là là. Meurs. Oh putain, merde. Fais-toi bouffer par le chien, peut-être. Évidemment. C'est quoi? Bah déjà, tu peux relever Ashley, je sais pas, ça peut être... ça paraît être un bon call. Non, mais non, pas tant que ça, parce que si le chien avait décidé de me faire chier juste à ce moment-là, j'aurais pas eu de marge de manœuvre. Et il m'aurait cassé les couilles. Mais à la place de ça... Putain d'enfoiré, quoi. Il est derrière moi. C'est vraiment des sales merdes. Ah ah! Putain non. Il est assez gros le suppositoire, là? Je crois qu'il y a une perte de patience qui s'est fait sentir chez la joueuse française. Je crois, vois pas ce qui te fait dire ça. Hein. J'ai tout à fait. Le cheat code. Mais allez vous faire foutre, sérieux. Allez, on euthanasie. Putain, mais c'est pas vrai! Mais c'est tellement ça, quoi! Genre, il vient, il te mord la bite et après il repart en mode. Putain, les trolls de l'extrême, quoi! Et là, il y a beaucoup de trucs. Là, il y a beaucoup! Oh, Starpon! Mais c'est quoi ces chiens trolls de merde? Voilà, laisse-moi récupérer ma vipère. Oh, putain, mais c'est gros troll, quoi. Saloperie. Pardon. Il est où, l'enfoiré, là? J'ai cru que c'était encore une fois le chien. Je peux pas me déterminer la différence entre Ashley et un chien, quoi. Non, mais de toute façon, ça, j'avais dit, ça m'avait fait le même effet quand j'avais commencé à jouer après, avec le mécanisme qui fait que les mimiques peuvent prendre l'apparence des objets. Après, du coup, à chaque fois que je voyais un objet du coin de l'œil, je me suis dit, attends, c'est vraiment un objet, ça? Et du coup, ça, le début de près, c'est un truc qui accentue ta parano à fond la caisse, en fait.
C'est un truc de ouf. Et surtout, la fois, je crois que c'est presque jamais arrivé dans la première partie, mais ça m'est arrivé beaucoup dans la seconde. Ces enfoirés, ils se déguisent en munitions. Donc tu dis, ah, chouette, ces munitions, tu vas pour les ramasser, ça te saute dessus. Bah oui. Comme cet oiseau des soins. Il est là, l'enfoiré. Attendez là, tu auras ce que tu veux, bon ben. Je vais l'attendre là, quand il pourra avancer, je l'attendrai. Hop, couteau cassé. Un bel échiquier. Ah, mais je suis là. J'y vais. Yeah, no big deal. Putain, mais ils ont vraiment ça toutes les 30 secondes, c'est un truc de ouf. Par contre, mon couteau est un peu dans la merde. Ouais, je pense qu'on va pouvoir trouver un marchand peut-être bientôt, je sais pas. Donc ça, je suis passé par là, ok. Donc là, c'était la fin du niveau. Oui, c'est la... Enfin, la fin de la zone. Oui. Pas lol. Ah, si. Oh non. Mais mangez-vous, quoi. Il faut aller... Ok, d'accord. Oh, putain de merde. Bah, j'ai bien fait de faire le ménage avant, hein. Ok, donc là, c'est la fin du niveau. Ok. Ok, on va faire ça. On va voir ce que je peux créer. Et... on va créer ça. Et on va créer ça. C'est toujours sympa. Ensuite, on va tenter de recharger. Ce qui sera toujours sympa. On va reprendre ça. Ce qui sera, comme tu l'as deviné, toujours sympa. Et il y a un oiseau. Ah, le deuxième était là. Ah, d'accord. En fait, je les troll. Il est venu là. Oh, putain, moi, par contre, on peut pas troller les chiens. Par contre, on peut les... C'est pas vrai, quoi. Et je l'ai appuyé, là. Bien d'accord. C'est chien, quoi. Ils sont vraiment... Attends, non, bah non. Pousse-toi, toi. Attends, il y avait marqué ordre, donc ça se trouve, tu peux demander à chaque fois de rester là. Et comme ça, tu peux passer. Oui, du coup. Oh ah. Ils détestaient les chiens dans ce jeu. Ils ont bien retranscrit. Ils sont horribles, ces chiens. Fais attention à toi aussi. Fais attention à toi aussi, putain de merde. Allez. Ah, plus qu'un. Viens, attends, j'arrive, je te rejoins. Ah, mais c'est vrai, en plus, putain, t'es... Oui, mais écoute, je te rejoins. J'aimerais bien un putain de... Dégage-toi. Oui, non. Désolé si tu t'es pris une ou deux balles. Voilà, sur les 8 balles, elles sont des plus 8. Toi, tu dégages. Oh merde! Ah oui, c'est un peu de couteau, ouais. Merci. T'inquiète pas, ça va aller. Non. Ça ne va pas. Mais ok. Il manque. Faut que tu trouves, le troisième drapeau. Ça, c'est le premier que j'ai fait. Le second était là. Ce qui signifie que le troisième doit être dans un coin un peu casse-couille.
ça c'est... Tu l'as ? Tout simplement. Attends. Ah. Un endroit assez casse-couille. Non, tu peux dire, objectif. Par contre, on court. Tu t'approches, t'exploses ta gueule. Mais vas-y, mais... Allez, mange ça. Mais il en reste toujours un. Bah après tu peux te casser, non? Ouais, je vais me casser. Par contre, je me casse. Si jamais il te ramène, genre comme ça. Allez. Parfait. Je savais. Tu as tout bas. Nouvelles améliorations. Super. Ok. Bah, je pense que tu... Ah voilà, le truc de... Médaillon bleu dans le grand hall. À la limite, bah là, je pense ça que c'est toi qui va m'en occuper la prochaine fois. Ça, c'est clair. Bah, tu peux voir le marchand, on a des trucs à vendre déjà, tu peux faire ça vite fait avant que ça coupe. Ça vire, ça non. Le scarabée et l'échiquier. Le scarabée, Ouais, allez, vas-y. Et l'échiquier, allez, vas-y. C'est des trucs qu'on peut pas sortir, donc on peut les vendre, on s'en bat les couilles. Ouais, c'est direct. Ok, on peut vendre tout ça. Hop. Ensuite, acheter. Le spray, oui. Non, ça. L'extension de mallette. Le spray. Le spray. Et on répare le couteau aussi. Te lâche ta gueule, Stranger. Et réparer. Ouh, c'est vrai qu'il y avait ça aussi. Et là, je pense qu'on peut leur laisser le reste pour la suite. Pas besoin de tout. Voilà, exactement. On a toujours 6 spinels. 6 spinels, ouais. Rien de plus. Et ils ont récupéré quoi là ? Il y a un calice de l'expiation. On peut y insérer des pierres précieuses. 3 renfoncements rectangulaires. Donc de toute façon, on n'a pas de quoi le sertir pour l'instant. Donc ouais, mais on peut le garder. Ok. Ce sera donc ceci, et moi, je vous dis, après avoir sauvegardé, arrivée d'air chaud, et à bientôt. Ah, on a fait le chapitre 8 en une fois, t'as vu? Ouais. C'est ouf. Let's go. J'appuie sur la touche magique, oulala.